7h30, grosso modo. 5h30, grosso modo. Tous. Normalement, si c'est bien joué. Bah oui, avec l'espace de la traya, c'est impossible. Il n'avait pas essayé, il est retourné chercher tranquille. Ah bah oui, il l'avait. Il n'y en a qu'une, je vois. Non. Remise en état, la chapelle fut bénie par le vicaire général le 29 novembre 1875, jour de la clôture de la retraite paroissiale, en présence du révérend père Pascal, de l'abbé Sorin professeur et de l'abbé Cousin curé. Restaurée en 1987 par les soins de la municipalité André Proux, à qui il faut rendre hommage pour la conservation du patrimoine communal. Restez confiants. Allez, heureusement.
Au Tour de France. Ah non, mais pour les, toutes les compétitions. Mais autrement, non. Bon, moi je vais m'amuser à faire ça dans mon jardin, moi, tiens. Bonjour, Joël. Ça, hein. Oui, alors là, il y a 300 personnes. Mais je vais peut-être revenir, mais recommencer avec, avec Jacques. Oui, c'était bien cette année. C'était très bien. Salut. Ça y est, il y a eu beaucoup de films. Ah ouais, on fait que ça. On fait que ça. Ah ouais. On voit la tête des gens. Ah là là, ah, t'es dans la caméra, ça y est. Ah Guillaume, alors là, au gros plan, hein, toute la famille. Hein. Allez Marc. Dans la caméra, ça y est, un gros plan là, et puis Bobby aussi. On est dans la plaque. Ah, il y a des trous là. Derrière, non, mais c'est le plus beau. Il y a du monde là. Il y a encore du monde là, mine de rien. Moi, je ne me suis pas rendu compte. Bonjour. C'est pas mauvais. Mais c'était bien sympa, hein, 195 personnes sur la... Ah oui, quand même, hein, ouais. Sur la première. Sur la première partie, 90 sur la deuxième. C'est quand même pas du mal, soleil pour tout le monde. Formidable. 8 km et demi, et puis on n'est pas fatigué, on est capable de recommencer. Voilà. On peut refaire encore une boucle. Ça y est, on est reparti, hein, après un verre de muscadet, c'est bon. Les animateurs ont été à la hauteur, aucun problème. Oui. On a ramené tout le monde à mon fort, d'ailleurs, entre autres. Ça fait une belle équipe. On recommencera l'année prochaine. Monsieur, ça s'est bien passé.
On a respecté à peu près le timing, donc ce qui fait que voilà, un temps superbe. Bon, un parcours assez agréable, donc je crois que c'était bien. Hein. Superbe le temps, la marche aussi est très agréable. Bon, un parcours allure régulière. Quoi dire d'autre, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Et puis en souhaitant qu'on ait un beau temps tout le temps comme ça. Voilà, jeune homme. Vous avez passé une belle journée ? Une excellente journée, superbe journée. Comme toujours à Goulême, presque toujours. Dans l'esprit goulet, de toute façon. Et la randonnée était agréable ? Très très agréable à travers le beau paysage goulainais, bien sûr, avec des gens charmants qui viennent d'ailleurs de Goulême, mais aussi d'ailleurs. Donc ils prennent l'habitude de venir nous voir pour cette randonnée de Châtaigne. On est des gens du Palais, de Saint-Herblain, de Nantes. Ah, oui. On a des amis qui viennent et qui reviennent. À mon avis, ils sont bien accueillis. Sûrement. Mais en plus, cette année, il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est l'exposition de laine, d'un habillage par les dames qui ont fait ça pendant 6 mois. Ils ne savaient pas trop ce qu'elles allaient faire. Il y a des mamies, tout le monde a fait un petit carré de laine. Et puis après, l'assemblage était extraordinaire. C'est un grand moment. Franchement, c'était absolument génial. Voilà. Merci à tous.